Please dismantle the drop pod. Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfang pour un nouveau let's play sur Satisfactory. Waouh, t'es super loin. T'es beaucoup trop loin, t'es de l'autre côté de la montagne. Démonte la capsule. Vas-y, je te laisse faire. Démonte-moi cette merde, je vais commencer à ramasser des cailloux partout. Donc nouveau biome. Okay. Sur Satisfactory, alors Satisfactory jeu à 30 balles, hein, ou je remballe. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le toucher à 20 balles, tout se passait à côté de cette opportunité incroyable. Non, toi tu l'as eu? Ah oui, on est avec Farida, bonjour Farida. Tu peux dire bonjour à ton tube. Bonjour ton tube. J'ai eu la chance d'avoir 20 balles. Tu l'as eu? J'ai l'autre gonzesse qui arrête pas de parler, ça me fatigue. Mais fais vite ta gueule! Non, mais parce que j'ai tapé un bout de quartz, un bout de charbon, alors ça y est, elle est en train de me raconter toute sa vie. Elle en peut plus, elle a des tas de choses à dire. Voilà. Est-ce que tu peux parler s'il te plaît? On va juste vérifier ton son dans l'enregistrement. Bien sûr, parler. This semi-slug seems to emit. Donc je vais bel et bien monter ta voix parce que l'autre elle passe au-dessus de ta voix comme jamais. Je te remonte un peu. Voilà. Vas-y. Voilà, c'est formidable. Là, on va t'entendre plein à fond les ballons. C'est formidable. À fond. Parfait. Je passe au-dessus de ta voix maintenant. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais parce que toi, tu vas pouvoir raconter des choses intéressantes sur ce jeu. Tu fais des choses très intéressantes alors que moi, on s'en fout de ce que je fais. Alors, je sais où il faut mettre idéalement le hub. Figure-toi. Bah parfait. Vas-y, moi j'en vas-y, tu commences. Non mais l'autre elle parle vraiment tout le temps, ça me fatigue. Ah, on a toujours pas le... Si, le tabac Xenos, c'est parti. Viens ici, monstre. Ville créature. Il y a du fer partout. Là, voilà. Il y a du fer partout. Il y a du fer partout, ça c'est incroyable. De toute façon il y a des gisements mec, partout. Et normalement, pas très loin, on aura même, je crois, là, à proximité, je crois qu'il y a de l'uranium. Sauf si les gisements changent. Et l'uranium, c'est quelque chose que je crois pas qu'on arrivera à atteindre aujourd'hui, malheureusement. Oh, tu es bien pessimiste. Ah, les petits cailloux, les petites roches. Ok, bon, d'accord, donc il s'est occupé de les ça. Les petites noix. Les petites noix, ça se mange. On va se rabattre là-dessus. J'ai vu un bout de quartz. Je vais récupérer un bout de quartz. Je vais juste longer la flotte vite fait pour pouvoir récupérer des paléobets. Oh, les paléobets. On peut trouver des champignons aussi. Ah, du catharium. On peut faire plein de trucs bien. Du catharium. Alors, surtout, ce qui est formidable, c'est qu'on a des massifs rocheux. On a des gisements tout le long des roches, et vu que les roches sont bien dégagées, bah on voit super bien quoi. Non, il y a des... Ah bah... Si, effectivement. Si, j'ai du quartz. Tu vas voir, il y en a partout. Hein. Ah, tu es là. Il y a des petites pierres de gisement un peu partout. Mais il y a des plantes à bestioles chiantes. Alors, il y a des techniques. Moi, j'en active qu'un. Et après je prends mon truc. Il y a un Diablo. On se fait Diablo. Derrière toi, Diablo là. Diablo. Ah, c'est lui Diablo. Okay. Oh, bah oui, tu l'appelais pas. Je sais pas, je l'appelais pas. Hop là. Rapide. Hop. Oh, bon. le calcaire. Exactement. Alors. Ah oui, ça va activer les deux. Ah, c'est chiant. On va juste récupérer le fer là. Ouais, c'est de la bauxite en plus. Le bauxite. Du bauxite, peu importe. Ah, hop. Petite paléobet. Je suis venu pour ça. Deux petites paléobet. Parfait. Remonter le truc. Donc ouais, moi tu vois personnellement t'as vu je prends mon temps pour poser le hub, je suis pas dans l'urgence. Ouais, pas bien. En vrai on ramasse toute la casse qui traîne, si on regarde là du massif du catharium. Voilà, on
se met bien. Oh les bébêtes. Ah je peux plus, je suis full. Mais non, je suis pas full. C'est là. Ok, c'est juste qu'il était claqué. Ouah, les micro bugs. Et encore des micro bugs, bah, en même temps ils viennent de placer une mise à jour là à l'instant. À l'instant bah, on lance hein. En fait on a une mise à jour quoi la veille je crois hier. Il y a des mazers ouais, là. Ah bon ouais. Je crois que je vois une mazer. Oui, oui, c'est une. Ah mazer. Oui. Ah, mais il y en a deux, il y en a une là plus loin là-bas. Ouais. Là-bas. Ouais, ouais, tout à fait. Et il y a un gisement de catérium ou de soufre à cette distance, j'arrive pas bien à savoir ce que c'est. Et du quartz ici, en plein milieu de l'eau. Ah, j'ai pas mis de paléobel hein. Oh là là là. Petite limace verte ici. Tac, petite limace verte. Toujours défendu par leur. Le ME. Allez. J'ai toujours pas à quoi ça sert le ME. Moi non plus, mais je crois que c'est whip. Ah, et je vais pouvoir récupérer une sphère aussi là. Autre chose que de me faire des ennemis là avec la sphère. Ouais, bah moi avec la limace que je vais vouloir récupérer là aussi, je vais faire des ennemis. Ici, là, ça a pris le game. Récupère d'abord le catérium dans ce cas là. Après, tu peux rush, fuir, tout ça. Hop, c'est bon. Travaux en cours. Alors là, c'est plus whip, hein. C'est travaux en course. C'est incoming, hein. Ça veut dire les mecs bientôt. Bientôt, vous l'avez quoi. Un petit champignon. Oh, c'est des champignons. Ah ouais, ouais, prends. Ah oui, j'ai envie de chercher ça aussi, faut qu'on les prenne. Faut qu'on les prenne, les champignons. Parce qu'on va pas en avoir beaucoup. Hein. On va pas en avoir masse. Parce qu'on va pas avoir masse de grand chose en termes de biodiversité. Ah, putain, mais il y a encore une limace là. Bah, c'est parti. Go rush la limace. Oh, quelqu'un normal. Hop là. Oh mon lapin. Alors ah. Parfois derrière les cascades il y a des grottes hein. Pigment can be harvested from these flower petals and turned into dye. A new research tree. C'est un peu énervant pour la biomasse non in... Ou ça va? De quoi? Pour la biomasse c'est pas trop compliqué. Bah je me suis pas posé la question parce que j'avoue j'ai... Moi tu sais je travaille beaucoup en manuel avant de décider d'alimenter de la mine en fait. Genre en gros je vais jusqu'au jalon 1 sans juste avec des petites foreuses. J'en mets pas plus. Mais il y a un truc whip là. Ah ouais. Ah très marrant ce bug. Original. Très original. Ah. Ah très original. Je ne peux plus m'arrêter de frapper. C'est trop bien. Je frappe de la caillasse sans m'arrêter. Mais c'est trop bien. Ouais mais je ne frappe rien en fait. Mais c'est dans trop le vide. Bien middle je peux plus frapper des bêtes du coup. Ils sont en train de me casser la figure. Ah ça c'est embêtant ça. Tu pourrais peut-être bah, retirer l'objet de ton inventaire. C'est le cogne Xenos là. Et non je frappe remettre. Avec le petit burin. Oui mais justement tu l'enlèves et tu le remets comme ça va peut-être actualiser le oui, l'action mais... que t'as actuellement non pas du tout. Non pas du tout, bah c'est ça c'était une idée hein après Peut-être que je trouve un gisement, attends. Je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises idées. Ah là un petit gisement. Oh, le mec il est en mode minage auto quoi. Ah c'est bon ça. Le mec il a trouvé la touche, le bug pour miner automatiquement. Mais vraiment en plus ça... Genre, c'est le seul mec qui a plus besoin d'un objet pour appuyer sur sa barre espace. Eh, salut, connard. Mais, eh. Alors, dis donc, quelle agressivité. Incroyable. Bon, moi, je vais ressortir de ces forêts nulles. Bord de flotte, est-ce que paléobet, est-ce que un truc... Oh, mais il y a une limace encore là-bas. Masse limace, hein. Alors j'ai vu qu'il y avait un délire au niveau du jeu qui est de faire des parties en limaceless, c'est-à-dire sans jouer avec les limaces quoi, faut pas... Oh c'est plus compliqué quand même, hein. Un peu plus long comme partie. Bah je vois pas en fait l'intérêt, parce qu'en vrai les limaces ça aide, mais c'est pas forcément une bonne aide. Parce que la consommation derrière elle explose bien comme il faut aussi hein. Ouais. Tu vois, bah oui, mais bon. Alors sur ta mine de charbon, je veux bien que ça fasse la diff, et encore. Puisque bah maintenant il faut aussi que t'envoies de l'eau. Donc je sais pas. C'est vrai que dans mon cas, quand t'es comme moi, t'arrives, tu fais une mine, et avec une mine, tu fais
30 heures. Tu fais 30 heures avec une mine. Parce que oui, je suis le genre de mec, moi je pose une mine, puis je vais explorer, puis je reviens, je récupère ce qu'il y avait dans ma mine, puis je repars explorer, quoi. C'était bien, quoi. Bah, ça ressemblait plus à 14 mines, tout amène quelque chose différent. Ouais, ça va, t'es le vrai mec de l'usine, quoi. Oh, ouais. Oh là, le mec est un G, quoi. C'est bien, bah c'est toi qui vas faire toutes les usines, alors. Hein. Je peux. Je connais les gisements, sans normalement. Problème. Alors, si les gisements bougent pas, je connais les gisements. Normalement, non. Ouais, mais c'est si je ne change pas les valeurs des gisements. Parce que je pense que l'emplacement des gisements ne change pas. Par contre, est-ce que la valeur des gisements change? Grande question. Ah, Bon. Est-ce que genre, sur ma partie, ce minerai-là était impur, donc il est encore impur dans la game suivante, ou ça peut varier? Je sais pas du tout. Alors, bon. Y a un gisement là-bas qui a pas été pété. Ah bon? Ouais. Y a des petits cailloux là, on voit y a des cailloux qui dépassent du sable. Alors, regarde, tu vois un peu de fer pur. Ça en vrai, ça va être trop au départ. Au départ, ça va être vraiment trop parce que là, tu fais juste un tour du désert, tu rentres chez toi, t'as 200 minerais de fer quoi. T'as fait que péter des cailloux. Merci pour le coup de taz. C'est aimable, hein. C'est une propulsion. Ouais, super, maintenant j'ai quasiment plus de points de vie. super, hein. Ça, c'est du normal. Ok, je vais aller voir vite fait de l'autre côté. Là, quoi par là? Ça a été réglé. Je vais voir le grand arbre que je vois là-bas. Ouais, en fait, on va se diriger vers le baobab après. Un peu plus vers le baobab. Et pour l'instant, ouais, je vais continuer vers le nord pour aller récupérer les petits gisements que tu laisses ici et là. Parce que visiblement, t'as décidé juste de me balader pour piquer mes gisements et me mettre des coups de taser. Mais pas pour ramasser les autres que tu vois à portée de vue. Je suis un peu aveugle. Du soufre ou du calcaire? Calcaire, hein. Ouais, calcaire. Très bien. Du béton. Aïe. Ça doit être. Ok. Alors. Ah, ok, c'est bon. Alors. Okay. Ça c'est fait. Quoi? Espace insuffisant? T'es loin de moi là ou t'es à proxy? Je sais pas trop. On va venir vers toi. Pourquoi? J'ai trop de stuff sur moi et vu que tu mines en double tout ce que j'ai, bah je vais te remplir. Je vais te remplir autant que je peux te remplir. Eh bah j'arrive. Bah ouais, parce que tant qu'à faire, tu vois, genre moi je me balade avec un champi, une agaric, lardon. Donc si t'en as une sur toi, genre je te la file, tu vois, ça me libère un emplacement. Oui, je peux normalement prendre le champi. Voilà, je crois que t'as commencé à agglutiner aussi des carapaces, des machins. Bah là je t'attends, ouais voilà, alors, regarde, hop, je commence à te distribuer les trucs. T'as de la paléobête, t'as de la noix. Tiens, prends toutes ces conneries là. Est-ce que t'as des trucs whip? T'as ça, je crois. Non. Non t'as pas? Ok. Tac, t'as de la bauxite. Des feuilles. T'as de la limace verte des... Allez, de la limace verte. Prends-moi tout seul. T'as du soufre sur toi ou pas? J'ai du soufre, oui. Hop, c'est pour toi. Est-ce que t'as de l'EME? Et si oui, combien? De l'EME? Je suis pas sûr que j'en ai. Ah, si, 49. Ok, je t'enfile. Ah oui, mais non. Non, ça sert à rien. Charbon, t'en as sur toi? Et si oui, combien? Non, j'en ai pas. Quartz? J'en ai pas. Quartz, j'en ai 10. Tiens. Voilà. Hop. J'ai vidé la moitié de mon inventaire, easy. Par contre, si t'as du fer, du coup, genre t'as un stack de fer de moins de 100 entamé. Alors, ouais, par contre, fallait pas acheter tes feuilles, gros, hein, parce que je te rappelle que c'est relativement assez rare ça. Je peux pas, ah, du oui, coup, mais... je peux plus les récupérer. Ah, voilà. Attends, tiens, ouais, prends le fer qui est là. Si je peux le récup. Ouais, c'est bon. Eh bah, moi je prends les feuilles. Hein? Oh non. Oh non. Mais tu peux plus, je t'ai dit. Non, tu peux plus les prendre.
Tiens, prends ça par contre. Noix. Oh, mais c'est pas grave, tant pis, ouais. On a perdu des feuilles, c'est pas grave. Ça y est, j'en avais 10. Bon char, TKT. J'en avais 10 de fer. Ok. Pas très grave. Je vois une limace au loin, le baobab, ok. C'est plus vite en gisement que quand j'ai lancé ma game, je trouve. Attends, il y a du gisement par là. Un gisement. Il y a une noix à récupérer, n'hésite pas, récupère. Je récupère. Est-ce que j'étais en train de miner avant que tu me rappelles? Y'a pas un gisement derrière là? Ah non, ok. Fail. Ok, ok. Bon, on va pouvoir commencer à se diriger vers la limace nord. Tranquille, nord-nord-est. Parfait. Il y a une limace là-bas tout en haut. Je la vois. Petit bout de lumière. Le gisement, c'est un quoi avant que tu le tapes? Ça, du quartz. Non, calcaire. Un quartz, non, pour toi, du coup. J'avais pas les cristaux violets qui s'affichaient dessus. Je te tabasse la bait. Ça va. Allez, je vais aller chercher. Mon dieu. Voilà, plus qu'à prendre la carapace. Continuons en nord-est. Alors ça donne quoi? On a notre limace avec un monstre moche. Et après on pourra se rabattre sur les baobabs. Paf paf paf, je récupère le minerai à gauche. Non, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller plus loin tout de suite. Ah, c'est du cuivre, excellent. Putain, j'avais pas beaucoup de cuivre. Excellent, du cuivre. Arrête de pourrir, bats-toi. Ah, j'ai pas de cuivre du tout. Merde, j'espère que t'en as sur toi. Attends. J'espère que toi t'as pu looter du cuivre. Ah, comment je l'ai vu voler en ragdoll. Devant ma maison. Calcaire, oui, j'ai du cuivre. Ah, très bien. Du quoi? Du cuivre. Du cuivre. N'oublie pas de prendre le gisement qui est là-bas. Attends, je crois qu'on peut ping. Comment qu'on ping dans le jeu? Alt. Alt et tu cliques. Ouais, c'est ça. Non, t'as un truc là. Mais attends, parce que du coup, je sais pas si je dois le prendre. Oh, si du bon char. Oh, du bon char. Du bon char, mon gars. Ah ouais, mais on peut pas l'exploiter dès le début, si. En vrai, assez rapidement, parce que du coup, t'as même pas besoin d'aller chercher un gisement de charbon. Déjà, tu peux faire des recherches dessus. Si on t'a du soufre et t'as du charbon, tu peux faire tes recherches d'explosifs. Pas oublié. Ensuite, parce que ces petits gisements-là, ils ont l'air de rien, mais ils en donnent la masse. Donc, vu qu'on a une rivière qui est pas non plus ultra loin. Et que j'ai déjà genre presque 200 charbons sur moi. En fait, tu peux quand même t'assurer un petit peu d'alimentation en charbon. Oh, on est bien ici, là-haut. Caterium. On est pas mal, voilà, ici. Voilà, j'ai plus de 100 de caterium sur moi. On est bien. On est méga bien. Le désert est tellement rentable. Et je pense qu'il est surtout très rentable parce qu'en fait, tu vois très bien les ressources. Ça. Là-bas, il y a de l'EME, on n'a pas pris. De... Mais c'est... C'est un S de baraki, ça? Ah ouais. Ah, j'ai deux S de baraki sur moi. T'as deux quoi? J'ai deux... Ça s'appelle comment? Summer Sloop, oui. Ah oui. Ok. Ça ne sert strictement à rien. Quoi? Faut que je vienne? Non, non, c'est pas ça, c'est une bête que je suis en train de tabasser, j'ai mis un coup de taser et c'est une bête. Ok. Politique. Ah, j'ai 65 de cuivre sur moi du coup. Ouais, 70, 35. Yes, je vais encore gratter quelques gisements ici et là parce que je vois trop de l'EME là. Ah, mais au baobab y'a de l'eau partout. Ouais, ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on va s'établir pas loin à côté. Je vais te montrer où est-ce qu'il faut la poser idéalement, où est-ce qu'il faut poser l'EME. Et moi j'ai trouvé que c'était l'endroit le plus sympa pour le mettre. Pas forcément, peut-être pas le plus opti, puisqu'on pourrait se mettre plus loin. Mais j'aime bien me mettre en bordure de désert, parce que t'es pas non plus trop loin des autres cascades. Et parce que là on va le placer, sinon on est très très vite en bordure de monde. Enfin bref, je vais te montrer ça. Je suis full. Oh non, je suis full. Oh, il lui faut 70 toi, j'ai besoin de toi, bon, je suis full. Attends, j'ai besoin de te refourguer des limaces et des machins. Je récupère ma dernière limace là-bas et puis. Et une limace mauve là-bas. C'est... Ah, les EME me prennent trop de place, c'est ouf. Le
le catharium, c'est moi qui le garde. Qu'est-ce que je te donnais? Qu'est-ce que tu prenais? Je sais plus. Attends. Oh non. Ah, j'ai la pièce de hub. Quelle bêtise. J'ai la pièce de hub. C'est ça que t'as perdu, non? T'es mort? Non. Je suis mort. Mais non. Je vais courir, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, après ta caisse elle est marquée. Oui, oui, clairement. C'est pas grave. C'est les bébêtes qui volent, elles sont chiantes. Voilà. C'était moi qui ramassais les noix, hein. Ouais. Ouais, 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 je t'ai mis un ping sur la map, c'est là où il y a tout un merdier à venir chercher qui est pour toi. Qui est pas pour moi. Ouais, ouais. Ah, j'ai fait une petite pile de merdier. Je te dis que ça. T'as la boîte de hub qui est dessus, tranquille. Ah, effectivement, il a tèche dessus, comme ça, tranquille. Tranquille. Comment ça se fait que c'est toi qui avais la boîte hub? Bah, en fait, je pense que parce que t'es mort, ça me l'a refourgué automatiquement. Ça me l'a TP en fait. Ah, mais tu m'as refilé du quartz. Bah, c'est pas toi le quartz normalement. Ça, c'était toi, il me semble. Ah bon? Ah bah, t'es sûr? Ouais, il me semble. Je sais plus. Oh mec, j'ai trouvé une épave. Ouais, il y a une épave. Avec un diablo. Deux diablos. Là-bas où j'étais, il y avait une épave. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Les vis, machin. Oh, c'est de la plaque de fer renforcée, ça. Je prends. Cadre modulaire, je m'en fous. C'est juste un caillou. Quoi qu'après, Diablo, je pourrais te faire la peau. Ah oui, mais j'ai plus de place. Diablo, viens ici, je te fais la peau. Toi, j'ai de la place sur moi pour te mettre. Oh, le bug. Le bug parfait. Hop, j'étais glitché dans le bug. Ça, c'était parfait. T'as pu récupérer ce que j'ai pingé là? Oui, j'ai tout récupéré. Ouais. Oh non. Allez, hop. Non, non, non. Laisse-moi tranquille. Diablo. Aïe. Aïe. Regarde, je pars. J'ai pris la limace, je pars. Il y a une collection de Diablo là où je suis là. Oh non, il y a les trucs. Il y a la collector ici. Hein. Il y a les plantes à gaz. Mec, je cherche même pas à esquiver. La flamme. À moi. Ah. À l'aide. Ah, oh, il y a une limace là-bas, là, c'est mort. Je voudrais juste voir ce qu'il faut pour ouvrir cette boîte. A l'aide. Je vais pas t'aider, hein, je suis trop loin. Mais arrête de mourir. J'allais vous comprendre. Mais arrête de mourir. Bon, je vais bouffer. Il faut des rotors. Mais ici, les saloperies. Ah, l'image jaune, mais avec dans le roc. Voilà. C'est embêtant ça. Au moins les malines maintenant. Je pourrais manger un morceau là, vu qu'il est loin. Pour récupérer les baies, c'est mort, ouais. On dit que t'es trop loin, hein. Ok. On fait ça. Quoi, tu peux dire que je suis trop loin, ouais. Non, non, non. Merci. Good. Ça m'arrange. Moi, que tu sois trop loin. Continue à ramasser les petits climats. Ah non, j'ai plus de place. Dommage, on aurait pu récupérer un petit paquet de vis. Tant pis pour les vis. Alors, limace, je vais péter celui-là. Et promis, avant la fin de cet épisode, on pose le hub. Après avoir fait un petit nettoyage de la région en bonne et due forme. Là, pour le coup, le désert, tu vois, il est désertique. Là, c'est normal. Là, là, on est ok. Ah, j'ai du calcaire sur moi. Est-ce que je peux ramasser? Ah ouais, si t'avais du calcaire, c'était à moi qu'il fallait le refourguer. C'est ben... marrant, du coup ils ont pas implémenté les nouveaux icônes. Bon, pourquoi pas. Quartz brut pur, ah je peux pas le prendre. Je peux plus rien prendre de toute façon, je crois. Je peux encore gratter un peu de fer. Ah non, je peux pas aller chercher cette limace. Dommage. J'ai bien voulu aller la chercher, cette limace rose. Ah mais même là ça va être le bon, quoi. Ah bah ça va être le goût surtout, hein. Là on va être obligé de poser le hub parce qu'il y a plus de place. Y'a plus de place mec, pour poser un hub à un moment donné. Ça va, ben... je vais te rejoindre, prends ma limace. Ouais. Enfin faut qu'on se croise, attends j'essaie de gratter encore un peu dessous je crois. Ah tout ce que je peux gratter hein. Gratte les limaces moi depuis tantôt. Et j'ai un peu de calcaire aussi qui est pas fort en tout ça en plus, c'est excellent ça. Excellent. Quelqu'un, normalement j'ai encore assez de place, je peux le prendre. Moi il me reste une place sur moi. Une place? Mais t'es le roi. Oh, oui. Mais t'es un roi.
En même temps, si tu viens sur moi, j'ai à nouveau de la place. Hein, parce que normalement, je pensais pouvoir trop fourguer des trucs et des machins. Ah, je peux plus rien prendre, putain, je suis plein. Au secours. T'arrives ou pas? J'accours. J'accours, mais t'es pas non plus à côté de moi. Mais j'arrive. Okay. Je crois que j'ai des petites bêtes qui me poursuivent au passage. C'est une illusion d'optique. De toute façon, je vais trop faire une pile de merdier en fait. Qu'est-ce que je m'embête. T'avais du soufre sur toi, c'était toi qui avais le soufre. Après, SF. Soufre, est-ce qu'il... Si oui, combien ouais, en as-tu sur toi? J'en ai 26. Allez, c'est pour ta gueule. J'ai le filet, vu que t'es lingé, tout de suite les plaques de fer. Renforcées. Voilà. Ah bon, voilà, voilà. Ah, bonjour. Aïe. Tu peux récupérer ça. Alors. C'est bon, t'as pu récupérer les trucs. Du coup, tu veux me refourguer peut-être ton calcaire? Oui, le calcaire. Alors. Je vais regarder ce qu'il met. Ça. Voilà, ok. C'est bon. Là, tu vois le. T'as des noix de béryl là-bas. Et encastré un peu dans la roche, t'as un gisement de quartz. Ok. Ok. Ouais, certains même. C'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Yes. Une fois que tu l'as, tu reviens vers moi. T'as un gisement de. Enfin, t'as un gisement. Un gisement de noix de béryl. Aminer la noix de béryl, bien sûr. Oh, ce serait vraiment bien quand même. Tu vas où là? Ah, il va faire sa limace. Bon, bah, tu te démerdes. Hein. Voilà, t'auras les noix de béryl, ok. Mais mec, des limaces, y'en a partout. Regarde là-bas, là, t'as encore aussi du quartz là. Il y en a partout, regarde, là je vais en récupérer une. Juste pour te faire plaisir. Je n'arrive pas à la récupérer celle-là pour l'instant. Si, on peut la récupérer. Ouais, je les récupère Vanilla, tu peux. Ouais, mais je n'y arrive pas, j'ai pas dit qu'on pouvait pas. Ben, tu essayes, tu try. Oh, ramasse le quartz, torpille. J'ai plus de place, hein. Yes. Voilà. Comment ça être. En fait, voilà, je t'ai laissé une carapace à côté des autres noix de béryl ici. Ok. Attends, j'essaie de compacter les ressources. Ah, du cuivre! Du cuivre! C'est trop bien, du cuivre. Alors, les noix de béryl. Je me dis que c'est pas. Voilà. Ok, on est bon. On va bientôt proposer le hub, hein. C'est bientôt la liberté. On y est, hein. On y est, hein. Ça va être ici. Hein. Je prends encore un peu de catériaux. Hein. Non, il y a du fer ici, mais je ne peux pas le ramasser. Ouais, oh, t'inquiète pas, ça va. On pose le hub ici de toute façon. Où alors, es-tu? Bah, tu peux poser ton hub ici. Ou là, là où il n'y a pas trop de BR, tu vois. Là où il n'y a pas de weed. Voilà. Ouf. Congratulations. Alors. Je viens de dire félicitations, bande de tardos. Au bout de 20 minutes, vous avez posé. De 30 minutes, vous avez posé votre hub, bande de cons. Ok, ok. Du jalon. Choisir le palier. Bah, on veut bien, nous. Hein. C'est pas qu'on veut pas, mais. Voilà, merci. Le hub, choisir. Voilà. Et madame qui cause, alors. Ah, t'as posé ça sur de la weed. Intéressant. C'est bon. Tiens, ça c'est pour toi. Tiens, ça c'est pour toi. On veut pas. Pour moi, pour moi. Du coup, c'est go. C'est parti. Je fais 200 lingots de fer. Ah, établi occupé, oh, c'est vrai ça. Non mais t'inquiète, je vais piquer un truc ou deux. Non mais si t'as des matières premières, genre souffle tout ça, pose-les directement par terre le temps que je fasse le hub. Et va chercher tes trucs et tes machins. Voilà. Des matières premières du genre. Hop. Ah mais attends, regarde, y'a le coffre là. Hop, je viens de faire le coffre. Pose tout ce que tu veux poser, pars à l'aventure compagnon. Va chercher ta limace verte, ramasse du quartz, fais-toi plaisir. Voilà. Je garde mes petites noix au cas où. Justement, évite de les garder. En fait, il vaut mieux que tu meurs à vie dès que t'ailles chercher ta caisse. Si tu veux. Vu qu'en fait, les noix sont très rares. Il y a peu de bouffe en fait sur le jeu. Les noix, ça va, hein. J'en ai 40. Ouais, sauf qu'on a fait un gros tour de désert, mec. Hein. On a quand même bien nettoyé dans les coins. Hein. Au cas où t'aurais oublié. Ah, mais t'as déjà tout repris. T'as déjà repris tout ce qu'il y avait. Comment ça, j'ai tout repris dans le coffre tout ce qu'il y avait. Comment ça? Là, bah, tout ce qui est dans le coffre. Quoi?
T'en as trop pris? J'ai rien pris, hein, là, je... Hein? Je suis en train de taper des lingots de fer, là, je peux pas te dire plus. Bah, où est toute la merde que j'avais mis dans le coffre? Bah, je ne sais pas, tu peux le dire. Bon, bah... Tant pis. Disparu, hein. Tu plaisantes? Tu fais des mauvaises blagues? Bah... Genre, t'es devenu un amateur de prank? Ah bah, j'aimerais bien, mais regarde dans le coffre. Il y a 49 noix. Bah oui, et tout le reste n'y est plus. Congratulations. C'est une mauvaise blague, ça. C'est une très mauvaise blague. Où sont passées les 24 limaces, etc. que j'ai posées? Mais non, c'est une blague. Mais non. Tu veux recharger la sauvegarde auto, là? Seventh objective. Ah bah, vas-y, hein, parce que là, 24 limaces, si tu veux, on va voir flou, hein. S'il nous manque 24 limaces, c'est problématique, une partie. Hein. Autosave 2-0... Attends, parce qu'il faut que je regarde celle qui... Mais ça les mettait dans le coffre, au moins, ou tu les as supprimés, tu les as poubelles? Bah non, je les mettais dans le coffre, quoi. La blague, on vient de planter le hub et... Ah, j'ai perdu la connexion, au secours! Oh merde! Je vais te rejoindre, TKT, ça va arriver. Où suis-je? Ok, ça va. Ah. Ah bah du coup... D'ailleurs, c'est impressionnant, ce jeu charge super vite. Hein. Du coup... bah j'ai perdu ma caisse. Ah quoi, je suis contre un garde monde. Putain, je viens de pop contre un garde monde man. Enfin, contre un... voilà. Ah ouais, d'accord, on est là. Alors... Ah oui, toi t'es le genre de mec là. Il y a des chances que j'ai plus de caisse. Ah, c'était l'époque où j'ai dit ah ouais, on dit que t'es trop loin et tac tac, je me tape les noix de berry. Ok. Attends, est-ce que j'ai récupéré le hub? Non, alors c'est que t'es pas encore mort. Je l'ai. D'accord. Je l'ai, si justement j'étais mort, je venais là, je viens de récupérer ma caisse. J'ai des noix de berry là. Bon, on dit que t'es trop loin. Ok, je suis trop loin, c'est ça? Je sais pas, je sais pas du tout. Mais c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Donc on revalide l'idée. Hein. Bah va poser le hub maintenant que tu sais où on doit le poser. Comme ça t'es libère une case. Je me souviens plus de où est-ce qu'on était, mais d'accord. En fait tu piques... Bah là tu dois pas être trop loin. Tu vois le gros baobab? Oui. À côté t'as des rochers, etc. Là où on était avec un gisement de fer au-dessus. Bah c'est là. Là, okay, où commence, là où commence la chaîne rocailleuse. Est-ce que je peux ping à peu près? Ah, je suis un peu loin là pour ping. Si t'as un peu de patience, je peux te le ping. Hein. Je vais chercher mes limaces que j'avais perdu de toute façon. Parce que bon, là j'en ai plus de 14 à la place de 24. Ah ouais, enfin, va pas mourir non plus. Hein. Donc si tu peux poser le hub avant de mourir, ça serait pas mal. Oui, t'en fais pas toi. Caterview. Ah, ça c'est les gaz qui puent. Ça c'est des noix. Par contre, j'ai pas trouvé le. Les gisements, j'ai l'impression, sont quand même... restent aléatoires un peu là. Les... Enfin, pas les gisements, mais. Les espèces de dépôts. Sol, là. Je vais appeler ça un dépôt de ressources. Vous savez, les cailloux que tu trouves. Parce que là-dedans, j'avais trouvé du nucléaire. Hein. J'avais trouvé du radioactif. Qui te bute extrêmement vite d'ailleurs au passage. Ouais, j'allais dire, tu peux le récupérer. Alors en fait si tu t'approches tu commences à prendre des dégâts et le pire c'est quand on a sur toi ça te bute en moins de 3 secondes. Ouais j'allais dire. T'as même pas le temps de l'enlever de tes poches, t'es mort. Je suis réaliste. Il y a une combinaison particulière je crois mais... Je pourrais te récupérer la limace là-haut mais je crois que j'ai pas de place à limace. Ouais j'ai pas allez, de la place allez, pour allez. Mec faudrait que tu nous poses le hub vraiment. Oui. Attends. Il me semble que c'était par ici. Normalement je peux ping, c'est tu vois là où il y avait le caillou là, c'est ça. C'était par là. T'as un peu de terrain plat là, tu peux poser ça par là. T'es où? Putain il est loin le mec. Apparemment oui. T'as une limace ici. À l'aide. Rien prendre. Vais-je encore mourir? Arrête, vraiment, fais pas ça. Parce qu'en plus je peux même pas récupérer la boîte de hub si tu meurs. Alors, je cours. C'est un normal. Ah bah je te vois. Je vois quoi, yes. Je te vois sauter. Ici, le hub. Vite. Vite. Alors, allez, regarde, y'a même pas d'herbe en plus, y'a pas de weed. Voilà. Congratulations. Excellent. You have unlocked hub feature. Alors, bon, du coup, pas poser les trucs dans le coffre. Hub terminal.
Bah je les poserai si tu veux. Tiens, je te donne des trucs que tu peux ramasser là parce que je peux pas. Pose des trucs, sinon, pose des trucs par terre, ça disparaît pas. Allez, pose. Je pose tout là, fais pas chier. Fais une pile de merdier là, voilà. Je peux plus rien ramasser là. Non, mais fais une pile et va chercher tes trucs. Ah, oh là là. On m'a demandé des choses, monsieur. Alors, moi je vais ranger dans le coffre. Et le plus drôle, c'est que c'est toi l'autre, quoi. La méga. Ah oui, mais. Que veux-tu? Le coffre me mange mes ressources. Ouais, je vois ça. Hein. Allez. Parfait. Hop là. C'est reparti. Le coffre est arrivé. Mais attends, parce que du coup, est-ce que tu es pas en train de. Alors, par contre, est-ce que tu étais un peu obligé de faire une méga pile en fait? Tu m'as dit fais une pile, j'en ai fait. Oui, oui, mais pas sur la mienne en fait, c'est juste stupide. Si ça avait glitché dans le plafond, on aurait eu l'air con, on était bon pour recharger. Complete hub upgrade to portable miners require no power and will mine a node until their inventory is full. Note, multiple portable miners can. C'est bon, l'autre est encore en train de parler là. Voilà. Ok, très bien. On va pas s'empêcher. Jalon suivant. On va boucler ça. Hein. On le boucle vite teuf. Fait des choses intéressantes. C'est dommage que les gens. Oui, d'ailleurs, j'ai fort l'impression qu'il y a une limace dans le caillou à côté de chez nous. Oui, oui. Tout à fait. C'est pas une forte impression. Pareil, tu verras, il y a une violette au loin. Tu dis, oh, il y a une violette. Tu la vois, et puis après, tu vois le caillou se former autour. Et t'as voilà. D'accord. Tout ce qu'il y a à retenir, je pense. Du coup, je mène qu'il faut la dynamite. Exactement. Et du coup, n'hésite pas de ramener des cailloux de fer, etc. Tu vas voir, il y a des roches, il y a des dépôts de ressources partout. Je récupère. Et après je vais essayer le plus vite possible de nous poser les trois mines. Calcaire, fer et cuivre. Nécessaire au bon fonctionnement, tout ça. On va continuer à en faire. Je sais qu'il en faut pas mal. Pif, paf, pouf. Hop. J'aime bien comment t'as les poches trop pleines de fer et en fait elles sont trop vides. Dès que t'as commencé à faire un jalon ou deux là, enfin même pas un jalon, genre juste tu commences les trois premiers trucs de fer, t'as déjà plus rien. Voilà. Là je suis en train de me dire ça va me saouler de transformer 200 fer en lingot et en fait c'est déjà fait quoi. C'est vrai que les premières constructs vont super vite quand même. Ouh, j'ai failli mourir encore. Ok, bon j'ai tout transformé. Et hein. Au moins ici tu n'as pas de grande crevasse. Congratulations, you have un. Oh, elle va se taire l'autre. Elle est sous le son. Non, t'as pas de grande crevasse. Il me faut du fer, il me faut du cuivre. Du cuivre, j'en ai. T'as kiffé, t'as vu, j'ai dit du cuivre. Ah, bah t'avais du minerai de fer, trop bien. Ah, oui, j'avais un peu de tout. Et il me faut quoi, des tiges? Tiens, regarde dans le. Il y a encore du fer dans le. Ouais, j'ai pris les 100 fer que t'as mis. Ouais, mais j'en ai remis encore. Ok, d'accord, super. Super. Je vois d'ailleurs du fer en face de moi, ainsi que des noix de béryl. Si jamais ça intéresse. Du chombard. Hop, on peut tout de suite envoyer. Les vins. Ah, les mines de charbon. Bah attendez, je vais pas du jalon. Le mec il pousse ses ressources, je connais même pas, t'sais. Juste le gars il sait qu'il va en faire des tonnes, t'sais, il est déjà juste, il envoie comme un sourd et puis voilà. Ah voilà, là mon ennemi juré, les jalons qui demandent du béton, au secours. Ah bon? Ah ouais, je déteste donner du béton, j'en ai jamais assez du béton. J'ai un mec, j'ai pas de béton. Genre de type, tu vois. Oh. Ici il y a un truc de béton. Parce que le calcaire sert exclusivement à faire du béton. Ouais mais enfin t'en consommes du béton hein. Enfin moi perso j'en consomme. Enfin tu vas voir ça va être monstrueux hein. Quand je vais commencer à te faire le dépôt tu vas voir flou hein. Bah si tu me fais des grandes plaques partout je te comprends. Ouais bah surtout je vais te faire un truc très haut en fait. Tu vois l'oiseau qui vole? Tu vois le gros yo-yo qui vole là?
Non. Bah, de temps en temps, il y a un gros yeux qui vole dans le ciel. Ah, bah, la grosse Raymanta. La oui, grosse Raymanta. Exactement. Bah, on va aller lui dire bonjour. Oh, oui, je construis jusque là en fait. C'est tout. C'est juste, voilà. Juste, tu vois les montagnes ou la cascade, on sera à cette hauteur là à peu près. C'est la base. Pourquoi pas. Ah, faut c'est la monter jusque là haut après, mais. Ouais, non, mais je vais faire des grandes pistes pour monter, hein. C'est pas si long que ça, mais bon, par contre, c'est très très consommateur de charbon. De béton. Bah, on fera une usine à béton. Par contre, on se fera pas chier à contourner la montagne aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Parce qu'on sera hauteur de montagne directe. Oui. Ah oui, j'ai juste pas du tout fait assez de lingots. Allez, c'est parti. Du coup, toi, les petites mines électriques où tu dois les ramasser directement dedans, tu les as jamais faites? Si j'en avais fait, bah j'en ai fait 3 en fait, j'en ai posé 3. J'en ai posé 3, d'ailleurs je vais essayer de t'en faire 3 pour que tu commences à les poser justement sur le. Enfin, je vais aller te les poser, je pense. Ou je passe directement en fourreuse. En ah, vrai, je pense que je peux passer direct en fourreuse. Je crois que les petites mines ne servent pas à grand chose. Bah, si toi tu qui fais ton tour, t'arrives à me ramener de la ressource là, en vrai, j'ai pas besoin et de courir et de. Pour aller miner, si tu peux ramener les blocs là que tu croises, les démolir, pour ouais, les rapatrier, on gagnerait un temps fou quoi. Du calcaire, j'ai un peu de fou. Ah bon, faut dire que j'ai déjà commencé à être bien en fait, vide. C'est déjà la crise. Hein. Ouais, mais je commence déjà à être bien vide. Faut de chier. À être bien vide, c'est-à-dire je vois plus de minerais. Ah si, je vois encore des minerais, mais c'est des gisements quoi, je vois plus de minerais seuls. Pourquoi non, moi j'en vois sous notre nez hein. Là tu vois, je sors de la base là, j'arrive, je tape tape là. Tiens, du catérium quoi. Bonjour du catérium. Oui mais tu m'as demandé du fer là. Ah bah il y en a aussi hein. J'en vois dans mon champ de vision, j'en vois dans mon champ d'action en fait. Ah bah. Excusez l'ado aveugle. J'y vais en fait. J'y vais parce que t'es en train de dire que t'as pas de fer quoi. T'es un ingénieur mais t'as pas de fer quoi. Non mais allô quoi. J'en ai. Non, clairement, oui. Clairement, j'ai jamais. Oh putain, il y a un diable géant là. Là, il y a un gisement normalement qui est coincé dans le coin là. Non. Voilà, dites. Vous suissez mon groupe classe. Bon, je vais le mettre. Je vais le faire. Ah oui, il y a ta liste laser que t'arrivais pas à récup. Ouais, mais pendant voilà. Que je fais ça là, je suis pas en train de faire le jalon hein. Et du coup, si je fais pas le jalon, on peut pas mettre fin à la vidéo. Ah bon? Bah oui. Je croyais que la fin de ta vidéo c'était la pause. Ah non, mais c'est le jalon. C'était le hub. Ah ouais, c'est vrai, il y avait ça. Il y avait cette idée là. Hein. Ah, tu fais des bisous à YouTube alors? Ouais, je fais des bisous à YouTube, bien sûr. Ah bah, des bisous à YouTube. Ciao.